Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois avec les copines, qui sera donc sur le thème de Cruella. Donc, comme d'habitude, vous avez les vidéos de mes copines en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Allez vous abonner. Manon est enfin au 1000 depuis un certain temps, donc nous fêterons ça quand nous nous verrons le 30 octobre, voilà, voilà. Et voilà, vous avez également la chaîne d'Emmy, et pareil, allez vous abonner si vous ne connaissez pas, leur laisser des gentils commentaires, des pouces en l'air, et voilà. Donc, comme d'habitude aussi, c'est un maquillage d'inspiration et non une reproduction, donc je vais me baser sur les photos du film. Voilà, on voulait le faire le mois dernier, mais on s'est dit que finalement c'était assez dark. C'était mieux pour Halloween, donc on l'a gardé pour Halloween, tout simplement. Voilà, voilà. Et du coup, je voulais commander des mèches blanches pour mettre sur un côté, mais je ne les aurais pas reçues à temps. Donc, comme c'est de l'inspiration, c'est pas très grave. Je me suis fait des petits accessoires cheveux qui devraient rentrer dans le thème. Et voilà. Donc, bah, écoutez, je me rapproche et on attaque. Alors, ça faisait longtemps que je voulais faire un masque au liner un peu effet dentelle. Sauf que je ne trouvais pas l'occasion. Je ne savais pas trop si ça rentrait dans le thème d'Halloween, si je le faisais tout seul. Le faire pour le carnaval, j'aurais pu. Mais voilà, ça fait quelques années que j'ai ça en tête et que j'ai toujours pas fait. Donc, c'est le moment. C'est le moment, puisque forcément, on dit Cruella, on dit masque. Ben, bien sûr. D'ailleurs, j'adore le film. Voilà, j'ai regardé deux fois déjà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le film. Après, j'aime beaucoup Emma Stone. Voilà, c'est une de mes actrices préférées, donc forcément, ça aide. Elle joue trop bien dans le film. Et l'histoire, c'est dingue comme Disney arrive à nous faire aimer les vilains. Voilà, après Maléfique, où on s'attache à elle suivant l'histoire, on s'attache aussi à Cruella. Je trouve ça trop mignon. Bref, donc je vais juste mettre mes petites pinceaux pour pas que mes cheveux me gênent. Et le maquillage en lui-même va être assez simple. C'est le reste après qui va être un peu plus long. Surtout la partie des strass. Donc ça, je vous mettrai une toute petite partie en musique, je pense, et en accéléré. Et le reste, je ferai hors caméra. Parce que ça va être très, 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 très long. Et donc là, il est 9h26 où je commence à tourner la vidéo. J'espère que je n'oublierai pas de vous dire à quelle heure j'ai terminé. Voilà. En sachant qu'il faudra que j'aille me refaire un café entre-temps. Alors, on va commencer... Je vais commencer par juste faire mes yeux, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment être très, 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 très soft. Donc, je vais d'abord prendre le petit jumbo comme ça de chez By Terry. Oh, je ne sais pas lire la teinte. Attendez, attendez, peut-être, peut-être. Blonde opale. Que je vais mettre sur ma paupière mobile pour l'éclaircir. Voilà. Je l'étale au doigt. Donc, j'ai pas mis de base, hein. Ça servait strictement à rien. J'ai juste mis fond de teint, anti-cerne et poudre, comme quand j'ai pas besoin de base. Voilà. Pour unifier ma paupière, parce que je peux décemment pas la laisser à nu, vu qu'elles sont. J'ai le tour des yeux plus foncé que le reste de ma face. Donc, voilà. Ok pour ça. Donc, vous voyez que c'est très, 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 très soft. Je vais mettre le Moonstone de chez Beauty Bay par-dessus pour mettre des paillettes sur la paupière mobile. Voilà, on l'applique, on le tapote au doigt. Et on attend que ça sèche. Donc j'essaie de pas trop plisser les yeux pour pas que ça file dans les ridules. En point interne, je vais juste mettre un petit peu de mon highlighter XX, là, le Echo. Donc j'ai même pas fait mes oreilles, hein, ça sert à rien, ça va être caché. On passe au trait de liner plus que classique. Pour l'instant, c'est tout. Ok. Alors j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure pour pas qu'on voit trop de chair entre le liner et la muqueuse. Voilà. Alors, je mettrai un petit coup de crayon beige en muqueuse après quand tu auras un peu transféré.
Je vais prendre une cuillère en plastique, donc là je prends une en plastique, enfin une cuillère à soupe, mais en plastique, pour faire la forme du masque, pour qu'il soit symétrique des deux côtés. Donc je pense que là on n'est pas trop mal. Est-ce que je vois? Là je vois, mais ici je vois pas dans mes rides. Je vais essayer de faire pareil dans l'autre sens. Alors moi qui vois déjà trouble, enfin flou, là je vois rien. Alors, je vais prendre mon petit liner hydraliner et on va pouvoir s'amuser. Donc je vais commencer par faire le tour de ma forme que je viens de faire pour faire la forme de l'œil du masque. Celui-ci est plus rond que l'autre, ça commence déjà bien. Je suis descendu plus bas. Et ici c'est plus ovale. Alors on va essayer de rectifier ça. Donc du coup je remplis. Et je vais élargir l'autre côté. Bon, à chaque fois que j'essaye d'égaliser, ça descend plus bas d'un côté que de l'autre, donc je vais laisser comme ça. Alors, je reprends mon pinceau, mon crayon cher. Alors, je sais que le masque, je veux qu'il descende ici. Et en pointe ici. Mais là, ça sera sûrement avec des strass après. Ok, on va le faire se terminer ici et ici. Après, si c'est pas très symétrique, vu que c'est censé être de la dentelle, ça ira. Le chat miaule maintenant. Ici et ici sur la pommette. Voilà, comme ça j'ai quelques petits repères, du coup j'ai pas besoin de mon peigne, mais je sais à peu près où je vais. Alors, on continue avec le liner. Je ferai les détails du nez après, donc je vais partir d'ici, pour pas salir ce côté-là. Je vais faire une espèce de dentelle, donc je fais toutes des petites arabesques partout. Ça va être très long, mais ça va être très beau, j'espère. Donc j'hésite pas à faire comme des reliures entre les trucs. Donc ça sera pas symétrique des deux côtés, hein. Ça on est d'accord, j'arriverai pas à jouer la symétrie pour le coup ici, hein. Mais comme en ce moment je suis à fond dans la symétrie. Mais c'est comme ça. Donc je fais un peu des petits arrondis plus ici et des petits traits pour faire genre c'est la dentelle qui est raccrochée au masque quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Ben voilà, écoutez, j'achève ça et je vous rejoins pour faire le nez, puisque là je dois faire pareil de l'autre côté. Donc je vais en profiter pour aller nourrir les bestiaux. Ok, voilà où j'en suis. Donc j'ai fait une petite pause café et nourriture de chien. Là, il est 10h31. Donc, on va attaquer la zone du nez et ici. Et je continue, sauf que je donne une forme plus pointue maintenant ici. On va voir ce que ça donne. Ici, ça va être compliqué aussi. Pour l'instant, ça me plaît bien. On va voir ce que ça donne à la fin. Voilà, je crois qu'ici à l'intérieur je vais pas faire trop revenir. Donc là je pense qu'on est pas mal. Voilà, sur le nez je veux que ça finisse comme ça ici. Donc j'ai peut-être pas des poses où vous voyez très bien ce que je fais, hein, mais ouais, vous voyez vraiment pas. Mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Alors je vais juste faire mes petits traits pour faire comme si la dentelle était attachée. Là je pense qu'on est pas mal.
Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, ça me plaît pas que ça finisse si net ici. Ok, je pense qu'avec le liner, on a fini. Oups, j'ai mon capuchon qui se fait la main. Maintenant, on va quand même coller quelques strass. Puisque elle a beaucoup de make-up où il y a des strass. Alors pareil, je vais couper. Je vais juste vous expliquer comment je vais faire. Donc je vais prendre des strass qui viennent de chez AliExpress, donc, tout simplement. Des noirs et des cristals. Pour aller avec mon haut et faire un mélange, faire des petits patchs un peu partout. Ici, j'aimerais bien faire un qui part comme ça, comme elle a sur un des deux looks. Finir en pointe ici sur le nez, certainement ici aussi. Et je sais pas. Parce que ici en dessous, je sais pas si ça vaut le coup d'en mettre. Peut-être les tours ici, je sais pas. Je vais voir. Donc, je vais juste mettre ma colle à fossile que je vais tartiner avec, je pense, mon doodling tool. Voilà, comme ça, je fais un petit paquet et je colle strass après strass. Donc là, ça va être très, 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 très long. Je commence à 10h37. Et voilà. Ah oui, et je vais vous dire. Alors, je vais mettre du mascara et des fossiles. Je vais mettre ceux-là de chez Révolution. Il faut que ce soit hyper dramatique. Et sur les lèvres, je vais faire les lèvres rouges. Je vais mettre le Melted. C'est le Sugar, Candy Cane. Et voilà, je viens vous remontrer ce que ça donne. Voilà le look final pour Cruella. Je t'avoue que j'aime beaucoup. Ouais, encore une fois, je suis très bien de ce que je fais. Ça fait très 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 longtemps que je voulais faire ce masque. Et je l'ai enfin fait. J'avais pas prévu d'ajouter les strass de base quand je l'avais eu en tête la première fois. Mais du coup, avec Cruella, obligé, j'ai mis un strass ici pour faire le petit grain de beauté qu'elle met partout. Qu'elle déplace d'ailleurs au fil du film. Et voilà, j'ai remis quelques strass ici et juste un peu ici pour pas trop en faire vu que la dentelle doit rester quand même le truc principal. Et comme j'avais pas mes mèches, mes mèches blanches, j'ai fait des petites pinsouilles avec du papier journal. Voilà, tout simplement. Donc, ben, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis encore une fois très fière de moi. Oui. On a le droit. On a le droit. Les fossiles, je les aime toujours autant. Ils sont canons. Et j'ai pas envie d'aller me démaquiller. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous avez les vidéos des copines en barre d'infos. Donc, allez regarder leurs vidéos, leur mettre des pouces en l'air, des gentils commentaires, vous abonner si c'est pas encore fait. Pareil ici, on n'oublie pas le pouce en l'air, ça m'encourage. De s'abonner, ça m'encourage encore plus de partager le contenu. Et voilà. Donc, on se retrouve demain avec une vidéo toujours Halloween, hein, puisque c'est la semaine d'Halloween, donc c'est normal. Et ça sera une abonnée choisit mon make-up avec un thème, je ne sais plus, Reine de l'Apocalypse. Voilà, donc on se rencontre dans le dark, bien évidemment, mais c'est Halloween. Donc voilà, je vais de ce pas envoyer une photo à mes copines, parce qu'elles me font chier depuis tout à l'heure. Alors oui, il est 11h35, donc j'ai mis quand même une heure à coller les strass. Enfin, coller les strass, peaufiner, mettre mes décos, rouge à lèvres et tout ça. Mes fossiles. Mais voilà, je sais plus à quelle heure j'ai commencé. 9h30, je crois. Donc, il m'a fallu 2 heures. Ça va. Je pensais que ça serait plus long. Et voilà, je suis bien contente d'avoir mis ce top aussi. Je ne l'avais pas encore. Donc, bref. On se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous.